Bonjour les filles, alors quel lycée représentez-vous? Le lycée de la mode. Super. Alors vous avez une mascotte? Tout à fait. Comment s'appelle-t-elle? Ça s'appelle Bébé. Bébé? C'est Banane Babouche. Original. Original, pas mal. Voilà. Et est-ce que vous avez un cri de guerre? Les cuirs masqués. Merci. Merci beaucoup. Merci, bravo. Excellent. Salut à tous, alors quel établissement représentez-vous? Le lycée de la mode. C'est quoi votre mascotte? C'est quoi vos mascottes? Barbican. Vous avez un cri de guerre? Vous avez un cri de guerre? Oui. Criez-le. Ah 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 yeah. Merci. Bonne chance pour les épreuves. Merci. Comment représentez-vous? La Providence. Pourquoi êtes-vous venu? Parce qu'on a gagné. C'est quoi votre cri de guerre? Vous avez un cri de guerre? Criez-le. Sainte-Marie. Alors, quelle est votre mascotte? C'est toi? Alors, ça représente quoi la mascotte là? C'est pas ça, moi? Non? C'est une tortue ninja. Tortue ninja. Et je reprends avec tout mon groupe de ninja. Okay. Ça marche. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre cri de guerre? Ouais. Oh, ouais. Alors, Animation. Ok, très bien. Pourquoi vous êtes venu? Pour gagner. Pour gagner. Votre mascotte, c'est qui? C'est moi. Ça représente quoi? Une chimie. Ok, merci. Le petit guerre, on met du rythme. Allez-y. Il y a un cri de guerre, il nous faut un cri de guerre avec du rythme pour quatre, avec les autres. 3, 2, 1, Améo, Poivre, Yes et Bo. Merci, Nico, merci. C'est bon. Au lycée Jeanne d'Arc. Oh les mythos. Hop, quel homme est établissement représenté? Ok, merci, donc c'est l'IRSS des Cholets. C'est l'IRSS des Cholets. Pourquoi vous êtes venu? Voilà, là c'est. Vous avez une mascotte? Oui! Oui, oui, on est pas! Ils sont déjà morts! Qui c'est qui les mangera? Il nous fait un cri de guerre! Ouais, allez, c'est parti! Merci! Bienvenue à tous! Alors, quel établissement vous représentez? Sainte-Marie! Pourquoi vous êtes venu? Pour par la fête, notre idée encore. Vous êtes gagné. Max, Jean, ça se passe. Vous avez une mascotte ou pas? Allez, c'est pour moi. C'est toi la mascotte. Merci. Vous avez un cri de guerre ou pas? Ouais. Alors, c'est le crier là. 1, 2, 3. Super. Non, on finira ça plus tard. Pourquoi vous êtes venu? Pour gagner. Max, c'est quoi votre mascotte? C'est la barre.
Est-ce que vous avez un cul de guerre? Jouez-le, balancez-le. Casino. Hey,
supporter de Sainte-Marie. Alors, c'est le maire. Je voudrais vous poser quelques questions par rapport à cet événement-là. Qu'est-ce que les élèves étudiants apportent à la CAQ? Quelles sont les valeurs qui se disent lors de cet événement? Ce que ça apporte déjà, ça augmente l'animation de la vie étudiante, c'est important, parce qu'il y a quand même à peu près 2500 étudiants post-baccalauréat HLL qui sont répartis dans les différentes filières, et c'est toujours sympathique et positif qu'ils puissent se retrouver dans des événements qui sortent des études et qui leur permettent de mieux se connaître et de mélanger ainsi les filières. Et puis ça véhicule aussi des valeurs de sport, des valeurs de dynamisme, des valeurs de l'entreprise aussi, parce qu'on a plein de choses. Et surtout, collégialité, c'est. Deuxième question, donc en 2007, le quotidien à l'équipe a remis à la ville de Cholet le titre de ville la plus sportive de France. Et comment la communauté d'agglomération de Cholet a contribué à la réussite dans le domaine du sport à Cholet? Alors, il faut savoir que la communauté d'agglomération a une compétence sport pour le sport de haut niveau. C'est-à-dire que nous soutenons les clubs qui sont au plus haut niveau de leur discipline, qui ont un centre de formation et qui évoluent régulièrement, si ce n'est tous les ans, dans un championnat d'Europe. Donc ce qui fait que nous soutenons deux clubs, le Cholet Basket, bien sûr, et puis la Stella La Roma et dans tennis d'État. Donc ça c'est la compétence sport, l'agglomération. Mais c'est clair aussi que cette compétence au niveau, donc le sport de haut niveau à Cholet, fait partie de l'ensemble sport qui a permis d'obtenir un certain nombre de prix, notamment 2007, le championnat d'équipe, comme deux par deux fois en 2001 et en 2011 pour le titre de la ville la plus sportive de la Loire. Donc c'est tout un ensemble, on ne peut pas différencier ville de c'est tout un ensemble qui fait que globalement sur le territoire de la CAQ, on aime le sport et y compris dans les autres communes, avec beaucoup d'activités sportives et beaucoup d'associations en de la. Dernière question, est-ce que vous-même, lorsque lors de votre parcours étudiant, vous avez participé à des manifestations de ce type-là, et quels souvenirs vous en gardez? Alors d'abord, mon parcours étudiant, il est lointain, oui. Vous avez déjà remarqué. Et je n'ai pas le souvenir de ce type de manifestation. Moi, j'ai fait une partie de mes études en Normandie, à Rouen, et je n'ai pas le souvenir qu'il y avait cette volonté d'avoir une vraie communauté étudiante. D'abord, le campus, vraiment, à l'époque, était naissant. C'était les facs d'après 1968, et les campus étaient naissants, et il n'y avait pas cette ambiance qu'on voit aujourd'hui. Donc, je pense que c'est bien que vous ayez ce type de démarche, ce type d'envie. Bah, on vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Représente! Yeah!